À la recherche de l'essentiel. Le livre des vivants. De la part de Jésus de Nazareth. Veillez à s'écouter. À partir de une discussion s'éleva entre eux. Lequel d'entre eux pouvait bien être le plus grand? Le premier disciple que Jésus a recruté, Pierre, le plus âgé, qui possède une barque, a le plus d'autorité, est entier. Thomas, qui n'est pas moins et est, comme lui, prêt à donner sa vie pour Jésus. Judas, l'homme de confiance, dont Jésus a fait leur trésorier, mais que certains, peut-être, méprisent justement à cause de cet argent qu'il doit manier. Jacques, pas Jean, il est trop jeune. Pris par leur conversation amicale, ils ne voient pas Jésus arriver. Ce dernier s'arrête. Écoute. Ainsi discute-t-on déjà de qui lui succédera. Ils s'en amuseraient s'ils ne discernaient, au-delà des apparences, le serpent qui se love dans leur cœur, l'orgueil, l'ambition, la prétention peut-être, ces mobiles, dits pour les uns, non dits pour les autres, qui empêcheront que réussisse le message de salut quand il ne sera plus là, s'il laisse faire. Alors, sachant ce qui se discute dans leur cœur, il attire à lui un petit enfant, le place auprès de lui et leur dit « Celui qui parmi vous est le plus petit, c'est lui le plus grand. » À la semaine prochaine. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est depuis janvier 2019, être chrétien, ça veut dire quoi? Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.